te comprends pas. C'est pas grave. J'ai arrêté mes études. Et mon mémoire aussi, et puis j'ai décidé d'écrire. T'as raison, il faut abandonner. Abandonne-moi. De toute façon, j'ai aucune envie de rester avec toi. Donc... Faudrait que tu me laisses tranquille. T'as pris ce que tu voulais, non? T'as plus besoin de moi. J'ai rien pris du tout. Faut pas confondre. Essaye d'être honnête. Tu t'emmerdes à la fac. Tu t'ennuies avec papa, maman, tes copains débiles. T'as besoin de t'évader parce que t'es pas conne. Une fois que je maîtrise l'informatique, je passe mon diplôme de déco sur Internet. Ça me paraît compliqué tout ça. Mais pourquoi tu réagis toujours de façon si négative? Non, je dis juste que d'abord, il va falloir que t'apprennes à te servir d'un ordinateur et seulement après, tu pourras passer ton diplôme de décoratrice et... Mais t'as peur que je reste ici trop longtemps, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que tous ces cours, ça coûte de l'argent. La ganache chou blanc paprika est intéressante. Il faudrait peut-être ajouter un soupçon de paprika. Peut-être, mais... pas sûr. En revanche, la tuile au cèpe, un délice. À tomber par terre. Le blanc était vert et... Le blanc était vert et surprenant. Vous devriez le goûter et il est tout à fait excellent. Oh oui. Oh oui, oui. Une veloutée. Quand il s'introduit dans la bouche, il caresse légèrement la langue et il la frotte. Oui. Quand je l'ai vu le lendemain, je pouvais plus attendre, alors j'ai couru vers lui, je lui ai donné le mot et... Et voilà, je lui ai dit il y a très très longtemps que je voulais vous donner ça, et je me suis enfuie. Me disant que si ça se trouve, il allait pas m'écrire, donc si c'était le cas, je déménagerais, je partirais très très loin. Le lendemain, à 9h10, le téléphone a sonné. Bonjour, c'est Philippe. Oui, d'accord, bon, il a pris quelques années, c'est certain. Oui, mais c'est certain que pour le reconnaître, il aurait fallu faire un test d'ADN. Écoute, Caroline, t'as pas 20 ans non plus. Et puis, je sais pas, moi, là, quand je vous vois comme ça, l'un et l'autre, je trouve que vous iriez très bien ensemble. Non ? Bon, écoute, excuse-moi, je suis en retard. Bon, tu comprends, mais je suis en train de gagner notre vie, d'accord ? Tu me pardonnes maintenant, on arrête ? C'est bon ? Voilà, tu l'as dit, on arrête. Bon, et tu vas où? Écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que j'ai fait de si terrible, là. C'est pas de ta faute, d'accord? C'est moi. Je me rends compte que je suis pas la femme qu'il te faut. Voilà, c'est tout, et c'est ma faute, et j'en ai assez. Ok. Allez, viens, on rentre. Allez, on rentre maintenant. Allez, non, je suis désolée, je regrette, mais s'il te plaît, j'ai vraiment tout essayé. Je regrette, je peux pas. Bon, excuse-moi, je t'en prie. Écoute, si vraiment tu me forces à rentrer, là, maintenant, tout de suite, je te jure que... Que demain, la semaine prochaine, ou même dans un an, je me fiche par la fenêtre, d'accord? C'est ce que tu veux? Non. Je t'en prie. Je suis pas la femme qu'il te faut. Et puis aussi, je t'aime plus.